Plus jamais il ne foulera la pelouse du stade d'Arcachon. Heitini Fariki, ici célébrant l'une des victoires des juniors du rugby club du bassin d'Arcachon, a chuté de son skateboard. Il est aujourd'hui en état de mort cérébrale. Il était sorti de son épreuve du baccalauréat, il me semble, et il était allé juste se promener sûrement sur son skateboard. Et je pense que il a fait une figure un peu périlleuse, je pense, avec la vitesse et la pente. En fait, la chute, c'est pas du tout à côté du lycée, et surtout qu'il était en période de baccalauréat. Sa famille, restée au Fénois, a été alertée le jour de l'accident. La mère a pris l'avion direction la métropole ce matin même. Quant à sa sœur, elle a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde, nous avons tous été surpris par la nouvelle. Et en ce moment, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour payer tous les frais. Heitini était très appréciée de son entourage. Sa sœur et lui étaient quasi fusionnels. Celle-ci essaye de s'occuper l'esprit en attendant des nouvelles de son frère dont elle garde un souvenir ému. Il a toujours été là pour me protéger, on va dire. Et aussi pour danser avec moi parce qu'on aimait vraiment danser. Et puis c'était vraiment un frère génial et on s'aidait, on s'aimait beaucoup. Sa famille ne se fait plus d'illusions, ils attendent juste son retour pour pouvoir l'inhumer auprès des siens.